bonjour bienvenue sur ma chaîne alors euh, c'est clair on est en plein confinement je dirais que la chance qu'on a c'est que euh, il fait beau il fait beau alors moi je suis un petit peu je suis un petit peu déçu parce que je peux pas faire de balade à vélo ce qui m'aiderait bien pour mon dos et comme ça, je rentre directement dans le, sujet, dans le sujet. Donc si vous suivez, si vous êtes abonné à ma chaîne, vous savez que... Euh, et si vous n'êtes pas, si si pas encore abonné, ben, je vais vous dire, je vais raconter un petit peu la petite histoire. Je vais faire un petit résumé. Donc l'histoire, c'est que euh, j'ai des problèmes de dos, j'ai les deux nerfs sciatiques touchés, j'ai euh, euh, une protrusion discale, j'ai... Euh, j'ai... Euh, 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 ouais quoi. En fait, une protection discale, c'est comme une hernie discale. Et j'ai aussi de l'arthrose dans le dos. Voilà. Donc, en gros, il y, a, euh, il y a à peu près maintenant quasiment trois mois de ça, à peu près jour pour jour, euh, j'ai euh, pris une décision. Euh, en fait, j'ai regardé un documentaire sur Netflix qui s'appelle Bikram. Et euh, j'ai un petit peu recherché vivement sur Internet et sur YouTube. Et j'ai pris la décision de commencer à faire du Bikram Yoga. Donc ça fait trois mois que j'en fais tous les jours, sauf le dimanche, et il euh, n'y a pas un jour où j'ai pas fait. Ouais, il n'y a pas un jour où j'ai pas fait. Donc j'avoue que... Alors, où j'en suis Et c'est la raison pour laquelle je fais la, je fais la vidéo aujourd'hui. Parce que... Euh, alors, je dois dire que au mois de mars, j'ai eu une alerte et j'ai eu peur. Parce que... Euh, alors, alors... Euh, j'ai commencé à avoir mal au dos. En fait, en, en fait, ça a commencé, euh, je dirais, quelques jours après le début du confinement. Euh, j'ai ressorti une violente douleur dans le dos. Je sais que, entre guillemets, je m'améliore, mais là, euh, ouais, au début du confinement, j'ai ressorti pendant 4 jours, j'étais mal et même pour m'asseoir, c'était, c'était l'horreur. En fait, je pensais que c'était l'arthrose qui était, qui était revenu et ça m'a pris quand même quelques heures, j'irai vingt-quatre heures pour réaliser qu'en fait, c'était pas l'arthrose, c'était. Ma protrusion discale ou hernie discale, en fait c'est... Voilà, euh, en gros c'est le disque qui avait bougé et euh, il était irrité et euh, juste pour s'asseoir c'était toute une histoire. Pour se relever, pour se relever de la chaise, d'une chaise c'était toute une histoire. Euh, et je me suis dit, wow, 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 wow. Alors, j'ai analysé la douleur. Alors comment j'ai fait pour analyser la douleur euh, Alors juste me baisser c'était l'horreur. Euh, voilà, s'asseoir me baisser c'était ouais, c'était pas possible et donc je me suis dit euh, est- ce que je me suis, est que je continue à faire du yoga ou pas et euh, j'ai essayé d'analyser le mouvement ma motricité euh, par rapport à la douleur et je me suis dit tu vas continuer donc en gros même si ça enfin ça, ça me faisait mal mais je me suis mis sur le tapis et j'ai commencé à faire la série et il y a des mouvements que je ne pouvais pas faire parce que tout simplement je ne pouvais ni me lever. Me lever, c'était euh, euh, douloureux. Me pencher, c'était douloureux parce que je sollicitais le, le disque, l enfin la protrusion discale qui était le disque qui s'était déplacé. Et ça a duré pendant à peu près euh, 72 heures. Et heureusement pour moi, la douleur s'est estompée. Alors, ça ne m'a pas empêché de faire... Toute la série, mais j'ai entre guillemets aménagé certains mouvements dans le sens que je pouvais pas les faire. Donc en gros, je me suis, euh, euh, voilà, je me suis glissé, glissé sur certains mouvements parce que je savais par expérience euh, que que certains mouvements, euh, parce que comme si je vous en souvenais, je vous ai dit que en 2014, euh, quand j'ai eu suite à mon accident, que mon dos s'est déclenché, euh, j'ai commencé à essayer de faire des mouvements de yoga. Donc je savais qu'il y avait certaines positions que quelle que soit la douleur, j'allais pouvoir les faire, donc c'est pour ça que j'ai fait la série. Alors, ça a duré 72 heures, lentement, mais sûrement, euh, après la série, la, du... enfin, la, la douleur s'était estompée, et là, j'ai plus de douleur. Alors, c'était un état d'alerte, je me suis dit, oh, 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 oh. et non, c'était pas ma... mon arthrose, ça m'a pris, ouais, pris, ça m'a pris, un petit... ça m'a pris un petit peu de temps pour, des... pour comprendre que, en fait, c'était mon disque qui s'était déplacé. Alors, ce que... pourquoi je fais cette vidéo J'avoue qu'après trois mois de pratique, je suis, je suis ultra contente. Euh, honnêtement, je suis ultra contente. J'ai une motricité que je n'avais plus depuis des années et que même il y a trois mois de ça, c est, c est genre, cette motricité, je ne l'avais pas. Je continue à le dire et je continue à répéter parce que c'est vrai. Euh, je commence à pouvoir faire. Euh, comme je dis, je, de plus en plus, je peux faire des trucs, des, des gestes du quotidien, des trucs bêtes qui, euh, voilà, on n'y pense pas, mais voilà, euh, voilà. Même avec l'arthrose, même si le disque s'est calmé, même avec l'arthrose, il y avait des gestes que je ne pouvais pas faire. Il y avait, voilà, quelquefois se baisser, c'était difficile. Euh, C'est tout bête, mais hein, juste euh, passer la serpillière ou voilà, balayer ou juste prendre le balai, l'aspirateur, balai. Euh, quand on a des problèmes de bleu, c'est pas aussi chaud. Des problèmes d'arthrose, c'est pas aussi long que ça. Cuisiner aussi, ça peut paraître bête, mais c'est des trucs tout simples. Tout simple. C'est-à-dire que je peux passer un petit peu plus de temps à la cuisine, cuisiner des trucs. En fait, euh, j'avais l'habitude de. de euh, j'ai pris l'habitude de faire des plats qui sont faciles à faire en termes de préparation, dont j'ai pas trop à, à rester debout. Et je dirais que depuis quelques temps. J'ai eu tendance, avant que le confinement s'installe, se, que, que se, se, à faire euh, un plat et après faire un dessert, après préparer un dessert après, ce qui est énorme. Parce que rester debout, c'était pas possible. Les, nerfs, voilà, les, les deux nerfs sciatiques étaient, commençaient à être compressés, c'est pas possible. Donc je suis contente parce que c'est un truc bête, mais confinement. Donc il faut bien que je sorte pour acheter à manger de temps en temps et j'avoue que il bah, y a les queues et, euh, et l'autre fois je parlais à une voisine et je me suis dit ben bah ouais euh, parce que j'étais pas encore sorti pour aller acheter quelque chose en, en, en supermarché et elle me disait oh il y a des queues il a fallu attendre il a fallu attendre et là je me suis dit wow, comment je vais faire parce qu'avec le dos faire la queue c'est pas un bon plan et j'avoue que euh, ouais, euh, je supporte les queues donc c'était je dirais ça vient à point nommé l'amélioration vient à point nommé ça m'aidera un petit peu mieux à vivre entre guillemets. Alors, clairement, c'est quelque chose que je regrette pas. Euh, je, moi, j'ai même tendance à vous le recommander si vous avez des problèmes de dos. Parce que, moi, ce que je constate à mon, à mon niveau, c'est que, euh, OK, OK, vous allez peut-être vous mettre dans des positions bizarroïdes, entre guillemets, mais pour moi, euh, c'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que je le ressens, c'est que quand vous vous mettez dans une position bizarroïde entre guillemets juste après vous allez faire le mouvement qui va à l'encontre de la qui va entre guillemets qui va qui va à l'encontre de la position que vous, bizarroïde que vous venez de faire donc en, en gros l'effet de cette position en fait vous entre guillemets c'est comme si euh, directement après au second mouvement vous remet, vous remettiez les pendules à l'heure et votre corps en gros quand vous êtes, quand vous avez fait une séance votre corps en fait il est euh, totalement leur relaxé, vous avez fait un stretch total de, votre, de tout votre corps, c'est qu'il y de le dire. Donc oui, je le fais. Euh, alors, j'avoue que mentalement, malgré la situation, donc si vous êtes abonné et vous connaissez la situation, mis à part le confinement et la situation, la situation dont je suis, mis à part mes problèmes de santé, j'avoue que euh, je ne suis pas aussi anxieuse que je pourrais la, pour, que je pourrais, je pourrais l'être. Alors, peut-être que euh, vous avez compris, j'ai peut-être aussi de l'expérience dans cette situation, euh, quelque part, euh, même si on n'a jamais été dans cette situation, mais si vous êtes abonné à la chaîne, vous avez, vous comprenez, je crois que vous avez compris ce que je suis en train de vous dire. Je ne suis pas réellement anxieuse, je suis plutôt, voilà, plutôt euh, euh, relaxe. Et j'avoue ce qui me voilà ce qui me ce qui me fascine le plus c'est que euh, c'est que j'ai aucun problème pour dormir le soir euh, voilà, je je me couche je suis fatiguée entre cas, je fais la nuit tranquille alors il y a juste c'est juste qu'en ce moment il y a la tempête donc en gros les volets qui battent ça vous réveille la nuit mais entre guillemets j'ai aucun problème je passe des nuits tranquilles je me lève et c'est vrai que j'ai tendance à vouloir me coucher tard parce que la bonne nouvelle, c'est que euh, je me suis remis un petit peu à faire de la musique depuis ces quelques temps. J'ai eu j'ai eu une période où je ne pouvais pas, de, depuis novembre, je pouvais plus, j'avais du mal. Et là, euh, malgré tout ce qui se passe autour de moi, paf, ça semble revenir. Hier soir, en gros, je me suis encore couché tard et je me suis rendu compte, enfin, j ai, j ai, je suis revenu sur, euh, sur un projet que j'avais mis sur cale parce que j'arrivais pas à le, à le terminer. J'avais commencé durant une période et là tranquille et là je vois aujourd'hui. Enfin, je me suis dit ouais, je peux revenir dessus. J'ai trouvé un chorus et en gros, je vais. Euh, euh, je pense qu'aujourd'hui, je vais refaire une. Je vais refaire la base sur sur une des sur une de mes de la sur, sur le projet parce que la base que j'avais mis à l'origine me plaît plus. Donc ouais, j'avoue que je suis extrêmement extrêmement. Euh, je dirais extrêmement euh, positif au regard de la situation actuelle. Euh, je dirais que, alors, je vous cacherais pas que comme tout le monde, je suis un petit peu frustré. Euh, et clairement, euh, alors, ça vient, ça vient de temps en temps. Je vois la semaine dernière aussi, il y a eu, je crois que jeudi dernier, j'ai eu, eu, il y a eu un épisode où pendant quelques heures, j'étais où ou, ouais, j'étais ultra frustré. Je peux pas, je peux pas dire que c'est l'anxiété, c'est plus la frustration et même ça se voit parce que là, maintenant, le bouton, que j'arrêtais pas de gratter. Voilà, c'est, voilà, ça, voilà. Je je, je je le je le, je le je le regarde plus. Bah, je crois que je vais m'arrêter là parce que euh, je pense que les batteries vont se vont se terminer je vous remercie de m'avoir regardé faites attention à vous alors moi ce que je vous dis si vous avez euh, si vous avez peut-être euh, parce que vous êtes en confinement c'est peut-être le temps de commencer à faire des et pourquoi pas, pourquoi pas essayer le yoga hein, je voilà ça peut ça peut vous aider ça peut voilà voilà en attendant, merci de m'avoir regardé, puis je vous dis bon à la prochaine quoi, et surtout comme d'hab, prenez soin de vous.